bienvenue pour un nouvel épisode de Prestige Car. Voilà, là on est dans la roselière d'en face. Très très belle roselière. J'ai vu un petit poisson tout à l'heure. On va voir. Hier je suis venu dans l'après-midi. Bon, les cartes maintenant je sais qu'elles sont là. Je les ai vues. Je les ai pas enregistrées mais j'ai tout envoyé à mon frère par Snap. Voilà, c'est tout un herbier, bois mort, etc. sur toute la longueur. Là j'ai vu des gros poissons là, des petits aussi. Et voilà, hein. Je pense qu'on va faire la nuit là-bas. Et je pense que ça va bien 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 le faire. Tais-toi, toi. Vas-y, on va continuer. Moi je suis censé pêcher en face. J'ai vu toutes les grosses carpes, elles étaient en face. De toute façon, là franchement, je commence à bien kiffer là. Donc vu du premier poste, intéressant. Il faudra tremper les pieds, je pense, si on pêche ici. Voilà, on va continuer. Bon, bah, je pense que la décision elle est prise. Hein. Voilà, tout simplement. Simplement, le venet de pied. Ouais, ça va le faire. Un ras l'herbier là-bas, je pense que je vais en mettre une dans les nénuphars. Au bord là, on va voir ce que ça donne. Et voilà, je pense que mon frère va tirer en face aussi. Peut-être à droite, je sais pas. Voilà. En tout cas, moi je le sens bien ici. Je le sens très très bien. Le poste il est là, très très bien. Tellement il y a une chaise. Le bioui on va pouvoir le mettre là-bas. Impeccable. Voilà, hein, vu du deuxième poste pêchable. Je vais prendre celui-là. Je vais mettre le bioui par là. Puis au moins là on a tout ce qu'il faut pour faire le feu. Tout. On peut se poser tranquille. On a une belle belle vue. Magnifique. Ouais. Je vais envoyer ça au frérot, j'espère qu'il va être content. Et let's go. Ça y est, en direct du 48h avec le frérot. Posé. Ça fait quelques temps déjà. Ça fait une heure par là. Et voilà. Très très grosse roselière en face. On a vu 2-3 poissons. Paf ici. Voilà, en place. Hein. On va replacer les cannes vers 20h avant le coucher. Donc 21h je pense. Là-bas. Je suis là-bas. Dans le trou là-bas. Je suis là. Et mon frère, il est là. Et voilà, ça pêche. Et hier, j'étais là-bas. Là où j'ai vu toutes les cartes. Il y a pas mal d'herbiers, c'est assez dur à pêcher, donc voilà, j'ai sondé comme je pouvais. Ça continue derrière. Et voilà. Ouais les gars, incroyable. 10h du matin, 3 départs, 2 poissons au sec, une décroche. Bah 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 bah. Oh. J'ai fait un monstre. Du coup, 23h décroché. Bonhomme de neige à Demon pop-up Scopex Blanche. Départ à 23h, décroché malheureusement au bord et à la tanker dans des roseaux. Ensuite, 1h du matin, magnifique départ, magnifique combat, magnifique fiche. C'était incroyable. Là, 2h du matin, 3e départ, 2e poisson au sec. Et voilà, on a mis tout ça au sac. Et babao, non, j'ai plus de plomb, j'ai perdu mon plomb, je sais pas pourquoi. Je vais remettre mes bouillettes aussi, j'ai perdu. Je vais remettre ça, je vais relancer. C'est reparti. Du coup, les deux autres départs, ils ont été faits à la Monster Crab Scopex jaune, pop-up.
Et l'autre après Hot Demon en 20 mm dense. Pop-up Scopex jaune 16 mm. J'ai fait mes deux poissons là-dessus. Du coup voilà, un bonhomme de mèche, ça marche ici. La Scopex ça marche ici. Hot Demon ça marche. Monster Crab ça marche. Impeccable. Bon les gars, je vous retiens au courant. Sûrement demain matin. Là je suis KO. Ça y est les gars. Tout est bon. J'ai retiré. Ça va se coucher. Là par contre j'ai pu pouvoir mettre deux poissons au sac. Je vais devoir prendre en vidéo à chaque fois. Ça va être dur. Là j'ai tiré, je suis même pas où je suis. Mais bon, au moins la pêche elle est faite déjà. Impeccable. Départ sur la canne de gauche, le départ sur la canne de droite. Et plus que celle-là. Allez, ma belle, on y croit. Allez, let's go, je vais dodo. Ça y est, je suis cassé en deux là. Allez, à tout. Putain les gars, dinguerie. Je suis content et en même temps je suis dégoûté. 4h30, départ, quatrième départ à 4h. Poisson puisé, une grosse miroir encore. J'ai voulu prendre en vidéo le plus petit fish et mettre le gros dans le sac. Et j'ai pas su manœuvrer. J'ai pas su manœuvrer, je suis trop mal, ça. Je fais de la chienne et j'ai perdu le poisson. J'ai perdu la petite miroir à 2 mètres, faire 7 kilos, fallait même plus, ça se trouve. En tout cas, très très bel écaillage. Du coup, voilà, un peu dégoûté. J'ai pas pu prendre les photos de ce fiche, mais bon, c'est le jeu. On a relancé il y a plus tard. Ouais, les boys. Bon bah là ça va récupérer des bouillettes. Ça va récupérer des bouillettes. Ça va chez moi, je vais récupérer 2-3 affaires parce que je suis trempé de la tête aux pieds. J'ai fait la nuit trempée. C'était pas très agréable. Donc voilà, let's go. Je vais reprendre au bord de l'eau les gars, en espérant que la nuit soit encore fructueuse. Et let's go. C'est 16 kilos 500, 16 kilos 500 les frères. Un des 4 départs les gars. Pff, magnifique miroir, 16 kilos 500. Incroyable. Beau bébé. Je suis content les gars. Mon nouveau record. 16 kilos 500. Un monstre. Et voilà. Encore une belle miroir. Je crois que c'est celle de 4h du matin. Il me semble que c'est la dernière. La grosse, c'était le premier départ sur la canne de droite. Voilà hein, les gars, 5 départs, un poisson chat, 3 poissons. Le troisième, malheureusement, bah, comme j'ai dit, j'ai fait une faute de manœuvre. Voilà, j'ai pas pu le sortir. Et voilà, ça fait des. Oh, des gros bébés, hein.